bonjour, et il y a de la vie et tout. Genre, il y a vraiment de la vie, quoi. T'es sérieux, gros? Mais t'es sérieux? Quand je serai chaud, parce que là, forcément, c'est mes débuts, quand tout sera bien réglé, que j'aurai bien compris tous les systèmes, mais ça va être une dinguerie. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, sur cette musique très joviale, eh ben ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, probablement une nouvelle aventure. On va voir comment ça va se passer les amis, on va découvrir ensemble Tourist Bus Simulator. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sans plus tarder, on va choisir notre mode. On a un mode économie, progression, gestion, défi et un mode un peu plus sympa. Où on fait ce qu'on veut. Et ben moi les gars, ce qui m'intéresse c'est le mode économie, progression, gestion, défi. Très clairement. C'est trop bien, c'est trop bien. J'avais le choix entre Farm Bus Simulator et Tourist Bus Simulator. Vous m'avez plus conseillé Tourist Bus Simulator et c'est vrai que ça m'intéresse un peu plus. Apparemment, on peut même avoir une villa, une voiture, plein de trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment cool. Et on a une belle cinématique, on est en train d'arriver en avion sur une petite île qui n'existe pas, donc une petite île fictive les amis. On va voir ça évidemment ensemble. Tourist Bus Simulator, j'ai vraiment hâte. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous plaît et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va découvrir ça ensemble. Oh, on va pouvoir customiser en plus notre personnage, je ne savais pas, c'est trop bien. Alors moi alors je pensais qu'on pouvait choisir le nom. Ok, alors déjà, il y a autant de femmes que d'hommes, c'est très bien, très très bien l'égalité. Donc, eh ben écoutez, on va partir classiquement sur le premier personnage finalement. Hein. C'est celui qui me ressemble le plus, on va dire. Ah là, bon, je l'aime pas lui. On va partir sur lui. Allez, nom du joueur. Ah, eh ben on va s'appeler. Alors attends, comment je fais pour. Voilà. On va s'appeler Mkolo directement. On est parti pour se créer une aventure. Waouh, personnaliser commande. Arcade, réaliste ou personnalisé. On va faire réaliste, faudra qu'on fasse tout nous-mêmes. On va apprendre, hein, de toute façon, on est là pour apprendre. Hein. Donc voilà, on va tout. Oh, à la limite. Ouais, non, si, on va vraiment se mettre un challenge, les gars. On va se mettre un challenge, les gars. On est là pour ça. Hein. L'entreprise, quitter l'aéroport et monter dans votre voiture. Mais non. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, genre là, on est vraiment en train de marcher, les gars. C'est magnifique. Bonjour, madame. Ah, c'est super stylé. C'est super stylé. Alors là, je suis en train de jouer en WASD. Hein. Donc c'est un peu relou, bonjour monsieur, ça va bien, très bien. Bon, on va quitter l'aéroport et on va prendre notre voiture alors. On a une voiture, attends, on sort par où? Par là. C'est vraiment joli, hein. L'entreprise, quitter l'aéroport et monter dans votre voiture. Et en vrai, c'est joli, c'est joli, c'est joli, ça fait plaisir. Ok, bah c'est parti, on va monter dans la voiture. Hop. On y est. Le trackier fonctionne. Alors attendez. Pour le coup, alors attendez, il va falloir que je fasse des réglages évidemment, parce que là on n'est pas bon du tout. Bon, pour le moment, il n'est pas encore question de boîte manuelle, donc visiblement c'est de l'automatique. Sélectionner le rapport de la boîte, ok, avec haut de page, donc c'est ça. Ok, ouais, donc on est en automatique, hein. On est en automatique et on va partir. Ah non, le frein. Et là, je crois qu'on est parti, les amis. Ça y est, je roule. Ma voiture, incroyable. On est sur Bus Simulator ou on est sur Car Simulator? On se le demande en tout cas. Eh ben on est parti les gars. J'ai tout configuré, les clignotants aussi. Ça fonctionne, ok. Bah c'est parti les gars. On va directement y aller. C'est assez marrant à contrôler. Eh ben c'est parti. Je vais un peu monter le volume. Hop. Et on est parti les gars pour profiter. Apparemment je suis déjà en excès de vitesse. Alors, roulez jusqu'aux locaux de votre entreprise. Eh ben, c'est parti. Et déjà, rien que ça, je trouve ça super stylé de pouvoir marcher, avoir une voiture, pouvoir évidemment rouler un bus. Oh là là là, on va éviter de faire une sortie de terrain. Et en fait, et du coup, on peut s'acheter une maison, des villas. En gros, c'est ça ce qui m'intéresse, les gars. C'est que si le jeu me plaît, on va en faire toute une aventure à côté de Euro Truck Simulator. Et on va essayer de se faire une belle vie, quoi. On va essayer de se créer une vie assez sympathique. Alors... Ah, je suis bête, j'aurais dû rester sur l'extérieur. Je sais pas rouler, hein, les gars. Je sais pas rouler. Et j'ai un problème, je vous explique, j'ai un problème avec le retour de force. Ça, forcément, les gars, c'est le premier épisode, donc
Il va y avoir beaucoup de petits problèmes au niveau des commandes. Bon, j'ai pas compris. Allez, on y va, les gars. Et par contre, c'est stylé. On quitte l'aéroport. Il y a des palmiers. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est magnifique. Si vous savez comment régler l'intensité du retour de force, je suis vraiment preneur, les gars, en commentaire. Bienvenue si vous me découvrez, peut-être. Vous me découvrez avec cette vidéo, les gars. Et peut-être qu'au contraire, vous me connaissez, vous êtes là depuis toujours et vous découvrez Tourist Bus Simulator. En tout cas, voilà, on découvre ensemble. On est à la cool et c'est vraiment, pour le moment, assez stylé. Je l'ai acheté sur Ineba, les gars, pour être très transparent avec vous. Je vous mettrai, évidemment, le lien en description. Il était à 16 euros au lieu d'une vingtaine d'euros. Je sais plus quel est le prix exact du jeu. En tout cas, voilà, bon plan, évidemment. Ok. On va essayer de s'y faire à ce retour de force. Hein. En gros, si j'lâche le volant, je fais un tout droit pour vous expliquer. Hein. C'est vraiment, je suis en train de faire une lutte acharnée, les gars. Hop. Et on est parti. On est à El Matoral. On va à gauche ici, là. Ok. Et c'est ici que... On va... Alors là, il y a un magasin, d'accord. Un petit shop. Je pense qu'on peut acheter des choses. Un restaurant. Ok, on vient de découvrir un restaurant. Et là, il y a notre entreprise. Non, c'est une salle de sport. Ah, une salle de sport juste à côté, d'accord. Genre, on va pouvoir faire du sport. Garez-vous dans la cour et sortez du véhicule. Ok. Je me gare où? Je me gare où? Bah, je vais me garer là, je pense. Ouais, je vais me garer directement ici, quoi. Ok. Entrée, quitter véhicule. Ah, c'est la touche C. Ok. Ça y est. Alors, nom de la compagnie. Bah, les gars, je sais que c'est pas original. Sur Euro Truck, on a le même nom, mais on va l'appeler M Company. Hein. Voilà, c'est le classique, les gars. C'est la M Company. Ici, on représente. Et ça y est, on est là, les gars. Oh, c'est trop stylé. Entrez dans votre bureau. Non, par contre, il y a tout un scénario. C'est magnifique. Ma voiture, elle est là. Le moteur tourne encore ou quoi? Trop chelou. Et on peut se promener, genre, là, on peut partir. Moi, c'est ça ce qui me fascine. Bon, bref, c'est pas le but du jeu. On va entrer dans le bureau. C'est le mien. C'est à moi, les gars. Bonjour, le premier bus. Allez à l'ordinateur pour acheter votre premier bus. Bonjour. Nous, c'est là qu'on veut aller. Hop, alors. C'est pas ici. Manifestement, c'est pas ici. C'est là, l'ordinateur, excusez-moi. Alors, cliquez sur ce bouton pour ouvrir le marché des véhicules d'occasion. Ensuite, choisissez l'un des véhicules disponibles. Ok, et ensuite on l'achète. Et bah c'est parti. Donc on va s'acheter notre premier bus, les gars. C'est incroyable. Aucun véhicule, atelier, véhicule neuf ou véhicule d'occasion. Alors, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les véhicules d'occasion. Après, j'ai 200 000. Je peux acheter un véhicule neuf. Mais nous, écoutez, et les gars, on va pas claquer tout notre thune, on va essayer d'être cohérent et on va s'acheter notre premier véhicule d'occasion et en vrai, on va prendre le moins cher. Est-ce qu'on peut trier par prix, là? Ah voilà, c'est du moins cher au plus cher, là. Man Leon Scotch, deuxième génération. Statut, 71%. Ça sert à rien. À quoi ça sert de prendre un gros comme ça? Autant prendre... Les gars, on va prendre le moins cher. Je vais faire comme je ferais dans la vraie vie. La vidange elle est faite, le changement de pneu aussi, changement de courroie aussi. C'est juste changement de garniture de frein qu'il faut refaire. Eh ben on fera. Ah par contre il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'essuie-glace. Eh ben on fera. On fera les gars, on fera. Ah bah non mais ça sert à rien. Autant, alors dans ce cas là vous savez quoi? Parce que même dans la vraie vie j'aurais peut-être pas fait comme ça. Oui mais dans tous les cas il faudra quand même refaire quelque chose tu vois. Vidange, changement de pneu, bah voilà, ça sert à rien de payer plus cher alors que c'est... Eh ben on va prendre le moins cher, hop, et on achète les gars. Veuillez récupérer votre véhicule le 8 juin 2021. C'est pas encore, hein. Eh ben voilà, allez à l'horloge murale pour ouvrir le calendrier. Alors, il est où le calendrier? Il est là, enfin l'horloge elle est là. Hop, cliquez, ah voilà, comme ça on peut passer le temps rapidement, donc là le 8 juin 2021. On est dans le futur les gars. Let's go, c'est parti, on va pouvoir récupérer notre bus les gars. Rouler jusqu'au port de Puerto. Et ben c'est trop bien. Et alors ça sert à quoi ici là? Voyons voir, c'est l'émission d'accord, c'est là qu'on fera l'émission. Ok, on va sortir. Et les gars, ce premier épisode on va encore pas faire de de mission quoi, je pense, mais c'est vraiment stylé. On va prendre la voiture. Hop, maintenant j'ai compris comment ça fonctionne. On est parti. Recule. Voilà. Hop. On est parti les gars. On est parti avec notre SUV incroyable.
on se met en première et on est parti les gars. J'espère vraiment que vous allez kiffer l'aventure autant que moi. J'espère que je vais la kiffer aussi finalement. Parce que là je suis quand même curieux, il y a une salle de sport ici, ça veut dire qu'on peut quand même y aller. Ah le rétro intérieur il fonctionne. J'avais pas capté, putain mais c'est trop bien. En vrai c'est Tourist Bus Simulator mais tu peux littéralement rouler en voiture quoi. C'est juste génial. Allez, on a à peu près marqué le stop, on va pas non plus trop se prendre la tête aujourd'hui. Vraiment le retour de force me dérange un peu hein. Mais bon on va faire avec. Hop, on sort ici. Et on est parti. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, je suis en train de faire une accélération de ouf. Et par contre, on va se calmer. À tout moment, on peut se prendre des amendes hein, quand même. Hop. On va attendre. Et on y va. Oh, il a de la patate, hein. V12. Hein. Du V12, mon pote. Là, on va prendre l'autoroute. De ce que je comprends. Les lumières, c'est très joli. Hein. Il y a un petit côté cartoon réaliste. C'est un peu. Enfin, pas cartoon, je sais pas comment dire. Les graphismes sont différents quoi tu vois. Alors hop, on va essayer de faire un truc bien. Et nous on sort ici. Mets ton clignot mec. Voilà. Et on sort ici. Pardonnez-moi les gars, si vous saviez à quel point le volant là c'était vraiment la galère. Ok, il y a des radars en plus, des contrôles de vitesse. Donc on va éviter de faire du caca. Allez c'est parti. Et normalement j'ai réglé le régulateur de vitesse. Si je fais hop, là normalement ça marche pas. Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas les gars. Oh je suis déçu. Bon là on peut rouler à 110 de toute façon. Je suis déçu, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas les gars. Dommage. Dommage. Hop. Wow! On a failli avoir notre premier accident les gars. Je roule comme un tocard. Mais c'est super stylé dites-moi là les gars. C'est super stylé. Bonjour. Et il y a de la vie et tout. Genre il y a vraiment de la vie quoi. T'es sérieux gros? Mais t'es sérieux? Il vient de me couper là. On est d'accord là? Là pour une fois c'est pas moi qui ai fait de la merde. Allez. On y va. On va se prendre notre bus, ça va être incroyable. Alors je sais que vous avez été nombreux à dire ouais n'achète pas les jeux, c'est pourri, Euro Truck c'est mieux. Non mais les gars, déjà laissez-moi découvrir d'autres jeux. On n'est pas obligé de faire qu'un seul jeu. C'est dans le même délire que Euro Truck. Mais en fait c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est mieux? Non parce que c'est pas pareil, c'est différent. Et c'est super stylé les gars. Moi je trouve ça super stylé et c'est super intéressant. Et puis de base conduire des bus c'est quelque chose d'assez stylé et ça m'intéressait. Mais en plus du coup vous avez vu, il y a toute une aventure et tout. En vrai c'est trop stylé quoi. Allez, on va au port de Puerto del Rosario. On est dans les conteneurs là. Je roule un peu vite hein, quand même hein. C'est censé être 30 km/h. Faut pas non plus se foutre de ma gueule. On peut se permettre de rouler un peu plus vite. Alors, c'est juste ici les gars. J'imagine qu'on peut y aller là. Non, pourquoi j'ai fait ça? Attendez, il y a les bandes jaunes, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe, j'ai pas envie d'abîmer ma voiture les gars. Voilà. J'ai pas envie d'abîmer la voiture. Hop. Et bah voilà notre magnifique bus. Bon ça va en plus. En vrai, bon après du coup il a des défauts qu'il faudra réparer. Mais en vrai en plus il est joli quoi. Ok, c'est carré. On est très très bien. Tac, comment on fait? On fait ça, on met le frein à main et on quitte la voiture. Waouh! Et là, on peut rentrer dans le bus direct. Non. Ah, ouverture et fermeture des portes. Oh là là! Mais c'est incroyable, dites-moi. Alors, voyons voir un peu l'état du bus. Oh c'est stylé. Ah mais y'a quelqu'un. J'avais même pas vu qu'il y avait une dame. Bon ça m'a l'air d'être en bon état hein, les gars. Ça m'a l'air d'être en bon état les gars. C'est génial. Allez. Le premier bus. Laissez votre voiture et rapportez le bus à votre entreprise. Et bah c'est parti. Ça me plaît pas spécialement la vue là. Ça me plaît pas spécialement la vue. Mais je sais pas comment on peut régler ça.
pense que c'est pas trop possible. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait un truc sans faire exprès. Attends, comment on ferme les portes? Comme ça? Activer la destination avec Z. Ouais. On met le contact. On allume. Putain, mais il y a une radio et tout. Oh putain, quand même, j'ai enfin trouvé, les gars, comment couper la radio. Et ça me prenait la tête, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Mais vraiment, hein. J'ai aussi pu régler un peu plus l'intensité du retour de force. Maintenant, il n'y a plus qu'à régler le FOV, le champ de vision, et on sera bon, les gars. Et évidemment, en off, voilà, le champ de vision, il est là. En off, les gars, ne vous inquiétez pas, je configurerai tout correctement. Ça va être mille fois mieux. Ok, ça y est, on va enfin pouvoir partir, les gars, ça y est. Hop, on est parti. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Alors, les rétros, ils sont là. Forcément, j'ai jamais conduit de bus, hein. Donc ça va pas être du gâteau. Là, je vais pouvoir m'engager sur la route. Il y a une voiture, il y a une voiture. Ah, elle s'arrête. Ok. Forcément. Ah oui, faut prendre large. Ah ouais. Faut prendre large de ouf, les gars. Parce que, bah ouais, on est en bus. C'est pas du tout comme en camion où genre ça peut suivre et tout. Ah, c'est un peu comme un camion porteur, finalement. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais on va essayer de... Ah ouais. Ah, ça par contre, ça va être un peu compliqué, les gars. Alors j'ai une caméra de recul pour reculer, ça c'est bien. Hop. Et on repart. Va falloir prendre bien large comme il faut. C'est stylé, hein. C'est stylé de ouf. Pour le coup, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Bon, c'est une prise en main, hein. C'est une prise en main à prendre. J'essaierai de régler vraiment comme il se doit en off. Attention, la carrosserie me arrête. Genre, je viens de rentrer dans un truc là. Ah ouais, je suis large en fait, hein. Excusez-moi, les gars, j'ai pas l'habitude de conduire des bus, hein. Franchement, cette première épisode, cette première vidéo, forcément, je vais pas être l'un des meilleurs. Ah ouais, le bus faut qu'il... Ah ouais, le bus faut tourner à fond le volant pour que les roues tournent en vrai. Ah ouais, d'accord. C'est pas le même angle de braquage, hein. Ah là là, c'est incroyable. Alors attends. Personne. Ouais, faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Ouais, dans ma tête, tu vois, tu tournes. Pour moi, je suis comme en voiture. Tu tournes un peu le volant et ça tourne. Et en fait, en bus, c'est pas ça du tout. Faut vraiment y aller, quoi. Fallait le savoir. Alors là, ça va être assez, assez fun, je pense. Alors, on va bien marquer le stop comme il se doit, là. Là, on va plus faire de conneries. À gauche c'est bon, à droite c'est bon, ouais. Là on a un restaurant aussi. Donc je pense qu'il y aura une histoire qu'il faut quand même penser à bien s'alimenter. Ça va être incroyable. Toute l'aventure à mener, ça va être incroyable. Et alors quand je serai chaud, parce que là forcément c'est mes débuts, quand tout sera bien réglé, que j'aurai bien compris tous les systèmes, mais ça va être une dinguerie. Alors, moi je ne connais pas les règles de bus. Alors si jamais il y a des chauffeurs de bus qui me regardent, un peu comme sur Eurotruck, les chauffeurs camions, est-ce qu'en bus il faut prendre l'extérieur des ronds-points comme en camion? Ou est-ce qu'on peut faire comme les voitures et prendre l'intérieur? Là du coup, je suis resté sur l'extérieur. Là on vient de découvrir un club de fitness apparemment, très bien. Allez, c'est parti. Petite autoroute, c'est très joli par contre, hein. C'est très 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 joli. Et là on sort. J'ai l'habitude, je cherche le rétro depuis tout à l'heure, mais le rétro il est en haut. Waouh! Ah ouais. Vraiment, le volant faut y aller, hein. Faut pas hésiter à tourner, hein. Ok. Faut bien prendre large. Là, je viens totalement de rouler
Alors. Ok, ça passe derrière. Il y avait une très belle moto là. Et on arrive chez nous, les gars. Et on arrive chez nous, magnifique voiture aussi. Putain, ils ont de l'argent ici, hein. Allez, garez dans la cour et sortez du véhicule. Et bah c'est parti, on va se garer. Ah mais par contre notre voiture il est resté là-bas. Notre voiture elle est restée. Bah non elle est là, bah, je comprends pas. Bah non oui elle est au port notre voiture. C'est idiot ça. Hop, on se met là. Et je pense on est très très bien. Ok, on met le frein à main. On coupe le moteur. On ouvre. Ça s'ouvre pas. On fait comme ça. Ça s'ouvre pas. Je ne sais pas comment on fait, attendez. Je pense qu'il faut juste faire comme ça. Voilà. Incroyable. Bah referme du coup hein. Il est beau notre bus. C'est pas moche hein. Bon, faudra vraiment que je règle tout comme il faut. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'ai la souris? Ah voilà. Ok. Eh ben on va entrer dans notre bureau. C'est pas là, ça c'est notre garage, je me suis trompé. Notre bureau, il est ici. Et on peut sauter par-dessus les trucs, ok. Bah, c'est carré, hein. Bonjour. On peut se prendre un petit café. Allez au télécopieur pour obtenir votre première mission. Bah, on va se faire ça, les gars. On va se faire ça dans la prochaine vidéo, si vous êtes chaud. Moi, je vais tout configurer en off comme il le faut, ok. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo si vous validez le concept. Et on sera vraiment très très bien. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Et à très très vite pour de prochaines aventures. Je suis très content d'avoir ce jeu entre mes mains, je vais pas vous mentir. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.